Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette mignonne boucle d'oreille au crochet. Oh, elle est trop mignonne, je la trouve. Voici une autre qu'on a réalisée, un peu plus grande. Pour ce faire, on aura besoin d'une créole de 2,5 cm, deux fils 100% coton, d'un crochet 2 mm, d'une paire de ciseaux, éventuellement de la colle. Sans plus tarder, on va commencer avec le fil blanc. Et on va commencer de ce côté, puisque de l'autre côté, on avait commencé de ce côté. On attache notre fil comme ceci. Ensuite, on va faire une maille coulée. Et on va faire 20 mailles serrées tout le long. Une. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, on va faire une maille en l'air et puis on va couper le fil ici. On va le cacher. Maintenant, on va utiliser le fil jaune. On va venir du côté où on a commencé. Et on introduit notre crochet. Comme ceci. Et on sort le fil. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on coupe celui-ci, maintenant on va faire 2 jetés sur le crochet, 1, 2, et on va faire dans la maille qui suit, comme ceci, un jeté, on sort deux boucles, et les deux dernières. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans l'espace qu'on vient de créer, on va faire 7 brides. Une, deux, trois, quatre,
5. Six. Et 7. Dans la maille qui suit, on va faire une maille coulée. Et ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 jetées sur le crochet. 1, 2. Dans la maille qui suit, on va sortir deux boucles, deux boucles, deux boucles. On fait deux mailles en l'air. Une, deux. Un jeté. On va faire 7 brides à l'intérieur. Une. Deux. Trois, quatre, cinq, six et sept. Dans la maille qui suit, on fait une maille coulée. Et puis on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 jetées. 1 et 2. Dans la maille qui suit, on sort 2 boucles. 2 boucles. Et deux boucles. On fait deux mailles en l'air. Une, deux. Ensuite, on va faire dans notre espace. Une, deux. Trois. 4, 5, 6 et 7. Dans la maille qui suit, on fait une maille coulée. On va continuer comme ça jusqu'à atteindre l'autre bout aussi. On se retrouve juste après. On fait nos dernières brides. On fait deux mailles en l'air. Une, deux. Et on fait nos dernières brides. Une. Deux. Trois, quatre, cinq, six et sept. On a fini. Maintenant, on va faire une maille coulée. Comme ceci.
une maille en l'air et on va couper le fil. Voilà. On va cacher le fil. On va le couper et puis on va ajouter un peu de colle dessus. C'est notre mignonne petite boucle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!